patrimoine cinégétique et phonistique, dirigé par le professeur Jean-Claude Ricci, et sur les bases des données de l'Observatoire européen cinégétique scientifique citoyen, on constate que la migration, au moins pour le merle noir, la grive musicienne et la grive movis, est réalisée la nuit, sans pour autant que ces déplacements s'accompagnent de haltes migratoires conséquentes dans notre pays. Ce qui veut dire qu'une part très importante du flux migratoire n'est donc pas accessible à la chasse. Depuis une quarantaine d'années, il semblerait que les grives soient observées lors de leur hivernage de plus en plus au nord de la France et dans des pays encore plus au nord, comme l'Estonie par exemple. Et ceci, quelles que soient les espèces de grives musiciennes, movis ou lithornes. Les observations ont démontré que l'hivernage plus au nord avait été multiplié par 10 en 40 ans. Il s'agit probablement de l'élévation des températures dans notre pays, qui n'oblige plus les oiseaux à aller plus au sud pour passer un hiver plus clément. Il leur est donc possible de survivre sans migrer trop loin de leur zone de reproduction. Le climat est donc très certainement à l'origine des migrations des oiseaux. Il y a 30 ans, les populations d'espèces d'oiseaux migrateurs étaient composées de 80 à 90% d'individus génétiquement programmés pour migrer. Aujourd'hui, ils ne représentent plus que 10 à 20%. En conclusion, il semblerait que les hivers froids et secs soient plus propices à de fortes migrations, contrairement à des hivers doux et humides. Nous sommes sur la Margeride, région montagneuse du Massif central, située aux limites du Cantal, de la Haute-Loire et de la Lozère, bien connue pour avoir été le théâtre des méfaits de la bête du Gévaudan. En octobre sonne le début de la migration des oiseaux. Il s'agit de la migration postnuptiale d'oiseaux adultes venant du nord-est de l'Europe et traversant notre pays. Un moment intense pour les chasseurs de ce type de chasse, où il faut scruter tous les matins l'horizon en espérant voir arriver les 5 espèces de turdidés chassables et les palombes. Au début de la migration, ce sont les grives musiciennes qui sonnent le signal du départ vers le sud, car elles sont les premières à passer accompagnées des merles et des grives d'Rennes, dont certaines sont également nicheuses en Lozère. Entre deux vols, les palombes suivent le même itinéraire, mais souvent à des hauteurs plus élevées et par conséquent, hélas, rarement à portée de tir. Donc, tous les matins pendant 10 jours, nous nous rendons sur un petit col lozérien que les chasseurs locaux appellent avec nostalgie le col à pigeons, en souvenir d'une époque pas si lointaine où nos anciens attendaient les vols incessants des palombes à la mi-octobre. Et au dire des anciens, les vols de pigeons étaient très très nombreux. Les cartouches à cette époque leur étaient réservées, car on ne tirait pas ou peu les grives. Aujourd'hui, les pigeons ne passent plus ou très peu. Seules les vagues de passereaux continuent inlassablement à survoler ces cols dès le lever du jour. Bruants, bouvreuils, chardonnerets, pinsons et autres geais. Tous ces oiseaux partent pour hiverner dans le sud de l'Europe, l'Espagne, le Portugal ou le continent africain. À cette époque, les arbres n'ont pas encore tombé toutes leurs feuilles, et certains de ces postes sont entourés d'une végétation abondante, faite de pins, de hêtres et de chênes, avec un haut sol, un tapis dense de myrtilliers, dans lequel il est vraiment difficile de retrouver les oiseaux tombés. Pour nous aider à retrouver notre gibier, Lenzo, cet air gordon de 5 ans, intervient si nécessaire. Il est d'une aide précieuse.
panthéon des armes de chasse, il est un calibre qui prend place désormais aux côtés du calibre 12 et du 20. Calibre longtemps considéré comme un calibre de carabine de jardin, probablement du fait qu'il a le même diamètre que celui de sa petite sœur, la 12 mm. Les deux calibres sont par ailleurs souvent couplés sur les boîtes de munitions sous l'appellation européenne calibre 36. En fait, ce calibre 36 devrait en toute logique présenter un canon de 12 mm de diamètre, mais il n'en est rien. Le diamètre réel de ces armes n'est que de 10,41 mm. Ce qui veut dire que vous tiriez un 410 calibre 36 ou 12 mm, vous aurez toujours dans les mains une munition dont le diamètre sera de 10,41 mm et non 12 mm. Alors, si comme moi vous optez pour chasser la grive, la palombe ou tout autre petit gibier au vol, sachez que bien utilisé, ce calibre est aussi redoutable qu'un calibre 12, 16 ou 20. À condition toutefois de ne s'autoriser que des tirs en deçà des 30 mètres. Vous enverrez sur votre gibier une cartouche dite 410 Magnum, dont la longueur est de 76 mm, avec une charge allant de 17 à 20 g de plomb, dont la gerbe allongée est redoutable. Par contre, compte tenu de la forme de cette gerbe et de la portée de ce calibre, il conviendra de soigner particulièrement son tir. À part la chasse aux canards, pour laquelle je n'utilise pas ce calibre, un peu faible néanmoins face à la résistance de ce gibier au plumage dense, j'opte pour des cartouches chargées en 19 g de chez Marie Arme, en plomb de 7,5, avec bourre réversible, qui me permettent la chasse de tous les autres volatiles, du lapin et du lièvre. Les premières grives movices qui annoncent la fin du passage pour les chasseurs. Elles seront suivies de grives litornes qui annonceront l'arrivée du froid et de l'hiver. Quelques vols erratiques sont encore espérés par les chasseurs locaux bien installés dans leurs affûts qui continueront à attendre les migrateurs attardés.